Et bon matin tout le monde, bienvenue dans le monde de Blackout. Excusez-moi pour la voix, je suis toujours un peu malade. Ça fait quelque temps que ça dure maintenant. Voilà. J'espère que ça va vite s'arrêter parce que ça devient pénible.
chaud au froid, chaud au froid. Trial. On a du mal. Je vais vérifier comme d'habitude si j'ai un bon retour dans le micro. Ouais, ça va, c'est bon. Ouais, j'espère que vous n'avez Trial. pas le son. Je pense que oui, en plus. Ah, c'est pas possible. J'ai installé un câble virtuel et je crois qu'elle me casse le bonbon. Trial. Je vais regarder ça sur. Voilà. Trial. Sur le jeu, j'ai mis mute, mais. Je vais couper ici. Voilà. Voilà. Couper Discord dans le jeu. Faut que je désinstalle ça. En fait, j'ai installé un câble virtuel, mais. J'avais pas vu que c'était de version d'essai gratuite et la version est payante. Et tant que j'achète pas la version payante, qui coûte quand même assez cher pour des cartes virtuelles, 32 euros, j'ai ce trial qui me spamme les oreilles. Bon, avant tout, on va continuer le jeu, cette parenthèse c'est fini. On continue notre jeu. On venait de sortir de la mine. On venait de sortir de notre mine. C'est ça. Et alors on va rentrer donc dans notre pièce secrète. Regardez, il y a déjà des ondes maléfiques qui s'échappe de cette entrée. Mais je n'ai pas peur. On y va avec la musique là, entraînante. Allez les gars, on y va. Je suis fallait tout droit. Regardez ce squelette. Ok. Oh, ça c'est le petit enfant qu'on a brûlé donc. C'est le petit enfant. Carbonisé. Paisible. Ah, c'est le grand-père. Ils ont tout enfermé dedans. Vais mourir. Chronologie. Allez, on va essayer notre chronologie comme ça. Ah. Tu veux marquer, merci. Je veux pas marquer. Non, il veut pas marquer là. Vous avez vu? Ah, si, là. Deux.
Witam. Pokonałem go. Już dobrze. Dziadku, nie podchodź. Moja babcia, Gail, obroniła mnie przed nim. Teraz mogę ci pomóc. Ah, donc c'était pas ça. Ah si. Ah non, c'était pas ça. Eh ben on va refaire le 1. Deux, trois, quatre. Witam, pokonałem go. Już dobrze. Dziadku, nie podchodź. Moja babcia, Gail, obroniła mnie przed nim. Teraz mogę ci pomóc. Znalazłem dziennik Van de Griffa. Napisał, że ktoś musi cierpieć, by uśpiony się przebudził. Patrz! Wow. Wcale go nie zbudziłem, kiedy znalazłem ten pokój. On się dopiero teraz budzi. Van de Griff nie zabijał ofiar. Sprawiał, by jak najdłużej cierpiały. Tego właśnie chce uśpiony. Musimy dostać się do tego pokoju. Przycisnę się. Dziadku, nie! Dziadku, nie! Gail, musi tak być. Uśpiony nie może się obudzić. Spalenie pokoju nic nie pomoże, Ethan. Uśpiony jest już w nas. Dziadku, cofnij się! Wszyscy musimy umrzeć. Nawet ty. Nawet ja. Oh punaise. Le gars il crame comme si de rien n'était. Est-ce que je dois tourner la table? Ah non, ça s'ouvre. Du coup, je demande le gosse. Il a cramé ou pas? Il est là. Oh, il est là! Il s'est caché là-dedans. Oh merde, je vois... là, c'est là que je vais peut-être avoir des ennuis. Ethan, obudź się. Cóż, dzieciaku. To było coś strasznego, ale już po wszystkim. Paul Prospero? Pan... pan naprawdę tu jest? Przepraszam, Ethan. Przybyłem późno. Za późno. To prawda. Jest pan za późno. Tutaj. Znowu. Znałem tę opowieść. Była tak samo i tana, jak i moja. Ale nie miała zakończenia. Jeszcze nie. Par contre, étrangement... non, je parlais trop vite. Je pensais que j'étais revenu à 60 FPS. Ah non, il était à 157. Ah, qu'est-ce que c'est ça? On a dessiné le chemin. Bon. Barrage, bah oui. Église. Cet endroit. Histoire. Piège et crâne. Mais ça, on l'a vu, ça. Le piège à vie. C'est tout ce que j'ai déjà fait. Ok. Donc moi, je suis ici. Ça, cet endroit, c'est ici. Ah, je sais voyager jusque-là. Regardez. Ça, c'est bien. Dieu antique. Jusque-là, je vois vraiment pas où c'est. Le barrage. C'est ça qu'il me disait, barrage. Ça, c'est près du barrage.
Est-ce que, par exemple, je sais retourner... J'ai essayé de l'emmurer, mais elle s'est défendue. De toute façon, je ne pouvais pas le faire. Pas ma femme. Ni elle, ni le dormeur ne sont satisfaits. Maintenant, je dois décider qui je crains le plus des deux. Ah. Toujours sa femme. On craint toujours sa femme. Donc, il faut que j'aille... C'est cet endroit, c'est ce que je disais. Cet endroit. Il faut que j'aille près du barrage. Maison près du barrage, il faut que je monte. Il manque deux, hein. C'est ça. Une maison près du barrage. Et... du pont du au-dessus du pont du barrage, je sais pas ce que c'est ça. Et une maison au-dessus du barrage, c'est le barrage qu'on est là. C'est un peu chelou, hein. Sortir et aller. C'est quoi cette maison là? Il n'y a pas récapitulatif géantique, c'était où? Maison des portails. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ah, mais c'est où ce que j'ai été au début, ça. Donc, je suis descendu. Ouais. Et encore une histoire au-dessus. Voilà, maison qui est en bas. On va aller voir. On va faire des voyages rapides. On va laisser la porte ouverte. Le tout, c'est de ne pas se paumer et de savoir revenir ici. Est-ce que je sais sortir d'ici déjà? Ouais. Non, ça va. Je vais le bloquer comme un couillon. Là, je sais pas sortir, en tout cas. Là non plus. Là, je sais sortir ou pas? Non. Je suis bloqué. Ouais, j'ai pas le choix en fait. Je vais aller interagir avec le portail. Je sais pas sortir de la maison. Donc je suis obligé d'aller interagir. Ça m'énerve parce que j'aime pas te faire ça, moi, les voyages, tu sais, rapides là. J'aime pas ça. Y a pas. Sérieusement? Ils sont sérieux. Là. Non. Oh putain. Ah, comment j'ai été ici? Ah bah j'ai fermé le portail. Ah, faut que je ferme le portail. Fermer le portail. Voilà. C'est juste. Et là je suis sorti. Ah. Alors. On a notre il y avait notre ascenseur que j'avais trouvé. Faut encore que je le retrouve, hein. Je fais le tour là. Ouais. Il était où encore? Ça fait un petit temps que j'ai pu jouer. Quelques jours que j'ai pu jouer, du coup j'ai oublié. Salut Akuma. Oh, je suis encore en train de mourir. Excuse-moi, j'avais pas vu là, j'étais dans mon jeu. Je suis en train de mourir là, j'en peux plus. J'ai la crève. Une fois que je guéris, ben, je retombe malade. J'en peux plus de ce temps. Fait chaud, froid, chaud, froid. Et si je suis dans mon jeu, du coup je suis un peu perdu, j'avais retrouvé l'ascenseur pour monter. J'en ai un. Hey. Hey, Akuma, t'as été modéré, mec. Oh, finesse.
Voilà. Mais modéré, hein, le gars. Vulgaire, hein. Vulgaire, le gars. Donc ici, il me manque deux missions à faire. Moi, je sais faire des voyages rapides. Mais j'aime pas trop les voyages rapides. Mais je ne sais vraiment plus où était passée cette cage d'ascenseur pour remonter donc au début du jeu. t'as réussi à régler tes problèmes de câble virtuel, Akuma? Bon, les gars, vous savez quoi? Je vais quand même faire un petit voyage rapide. Parce que sinon, je vais tourner pendant 2 heures à essayer de chercher et ça va pas être drôle. Hein. Moi, j'ai l'habitude de chercher pendant des heures. Ça me dérange pas. Vu que je me perds toujours partout. Pour vous, ça va pas être drôle. Voilà. Déjà, voilà, l'entrée elle est là. Les deux lions sont là. Et on va aller ouvrir la porte. Ah. Bah écoute, moi j'ai allumé ce matin, je pensais que ça allait foirer, mais ça va. J'ai eu le trial qui s'est mis directement en route. Ah, ça va, tout va bien. Si trial se met en route, tout va bien. Donc c'était là, il y a une baraque là, et il y a le barrage qui est là. On va aller là-bas. Voilà. What the hell? Ah, je pensais qu'elle me TP, mais elle m'a pas TP l'enfoiré. Quel enfoiré! Ah, j'ai pas regardé où c'était malheureux. Ah, j'ai un portail. Ah, je sais ouvrir des portails. C'est un truc de malade, là. Et si je ne rentre pas dans le portail, il me laisse au-dessus ou pas? Voilà. Voilà. Ok, très bien. Donc voilà, on perd deux en pleine forêt. C'est très rassurant. Allez voir au bord. Hein. Ah, mais voilà, c'était là. Voilà, on revient au début du jeu. On revient au début du jeu, d'accord. Et là, qu'est-ce qu'il y avait? Une espèce d'aiguillage. On sait pas aller par là, c'est d'où je viens le début. Et on va aller voir ici, peut-être qu'on va trouver quelque chose. Je pensais que c'était la gare, qui voulait peut-être m'indiquer, mais. Ah non, là je vais mourir là. Là je suis perdu dans le bois là. On va se retrouver Koh-Lanta.
C'est clair, je ne retournerai plus jamais au portail. Ah, si, je le vois là. On le voit de la gare. Allez, regardez. Ça va. Ouf. Du coup, je me demande ce qu'il y a ici. Qu'est-ce qu'il a voulu me dire en me battant ici. Ouais, j'aurais peut-être dû faire ça. Ah, ici, regardez. C'est peut-être ça, regardez. Bah non, je pense pas. C'est plus une centrale électrique, ça. Ici, y a rien. Non, non plus. En plus, il me met la musique. Ben, le principe du jeu, c'est que un petit garçon m'a écrit une lettre demandant de venir l'aider parce qu'il se passe des trucs bizarres dans son village. Et moi, je suis détective spécialisé en affaires occultes. Et donc, j'arrive dans le village et je tombe sur des meurtres. Et plus j'avance dans l'histoire, plus l'histoire commence à se dessiner. En résolvant les énigmes. En fait, le gamin a trouvé une maison d'un magicien. Et a libéré une puissance. Qui a un peu possédé tous les gens, qui les a un peu rendus fous. Du coup, tout le monde a un peu tué tout le monde. Il a réveillé le dormeur, ils appellent ça. Je pense à un truc comme ça. Pour le moment, on ne sait pas encore qui est le dormeur. Ah, et ça, c'était dessiné aussi, le pont, là. Ça, c'était dessiné, le pont. Ouais, c'est plus un jeu aussi, énigme, aventure, découverte. Faut avoir le temps, hein. Donc ici, j'étais descendu dans une mine, c'était assez chouette. Résoudre l'énigme de la mine. Avec le gardien, les gardiens qui me... qui devait ouvrir un portail. Je sais pas trop où je dois aller. Hein. Je vois un peu. Je situe l'endroit où on est, mais je ne vois pas où est la pièce ou l'objet que je dois activer pour trouver une énigme. En tout cas, les textures, regarde, elles sont pas mal. C'est un jeu de 2014. Hein. Mais il déconne avec les images par seconde FPS. Il descend à 50, et puis 20, et puis 60. C'est un peu bizarre. Ah, c'est peut-être ces deux trucs-là, non? Ici, y a rien. Oh là là. Ça va mal. Ça, les allergies, je crois que je passerai pas la journée. Oh, putain, ça va vraiment mal. Bon, on continue, parce que je vois rien du tout. Dans le jeu, t'es pas obligé de faire les énigmes dans l'ordre. En fait, t'avances et puis bah, tu découvres. Et c'est ça qui m'a mis les dessins. En montrant ce que j'avais raté.
Je sais pas si je suis allé tout droit. Je pense pas, je crois que j'avais des cailloux ou un truc comme ça. Ouais, voilà, on met des cailloux. On va un peu barrer le jeu. Donc c'est pas ici. Ici non plus. Mais disons qu'en marchant, j'ai trouvé des énigmes qui étaient bien cachées. Hein. Parce que si tu ne sors pas des sentiers battus, tu ne trouves pas. C'est pour ça que parfois on peut sortir, mais si je pense que c'était l'aiguillage, mais pas d'aiguillage, qui pouvait y avait tout enclenché sur les aiguillages. Sinon ça a été à Liège, Akuma, tu t'es pas fait flasher. Regarde les textures pour les pavés, moi je trouve que c'est quand même pas mal fait. Et la peinture sur... Regarde. Quand même pas mal fait pour un jeu de 2014. Un peu au début du jeu là. Là c'était la maison un peu au portail. Je devais dans cette maison là au dessus je devais reconstituer les pièces de cette maison là. C'est la première maison à laquelle je suis rentré donc j'avais reconnu en voyant cette maison là que les pièces ressemblaient à celle là. Et à chaque fois que tu te trompais, tu recommences à zéro. C'était un peu chaud. Hein. Il fallait bien mémoriser. Et voilà l'ascenseur que je cherchais tantôt. Voilà. Ça, c'est l'ascenseur qui va nous remettre en bas, près de la maison qui a brûlé. On a vu la maison. Elle est un peu plus vers la gauche ou vers la droite. Est-ce qu'on sait l'utiliser? Ah non, les enfoirés, ils n'ont pas mis d'interrupteur au-dessus. Il faut que je descende pour prendre l'ascenseur. C'est quand même assez hallucinant, ça. Ils prennent notre respect, cette maison qui ressemble à... ouais, bah, la maison du barrage. Qui ressemble à une gare, du haut. Ah, regardez le portail, il est là. Ils ont mis des portails. Et bon, on va regarder, on va en profiter. On va retourner dans notre portail. Voilà. Donc le barrage. Ça c'est quoi? C'est ça que je veux voir. Ça. Ça ressemble à quoi ça? Je pensais que c'était peut-être une machine d'aiguillage. Parce que c'est là où on était tantôt, hein. Maintenant, on a passé le pont. Il y a la grille de la mine. Et avant la grille de la mine. On ne peut pas.
Alors voilà, grille d'amine. Il y a deux grilles en plus. Me saoule, moi, cette carte-là. Il veut pas dire où est le barrage. Je crois que. Le barrage. Ça doit tous les marquer histoire, peut-être. Où est la maison du barrage? Ou alors ici. Qu'est-ce que tu en penses, Akuma? Rien, il va me dire. Rien. Rien. Et c'est quoi cette tête de bison? La paix. Wolisz być nieznany, czy okryty złą sławą? L'anonymat. Czy czujesz się zwycięzcą, gdy twoje słowa ranią? A peu, ja, da, da. Oui, je sens. Czy weźmiesz coś, jeśli wiesz, że tego nie zwrócisz? Oui. Oui, j'ose. La justice. Du cœur. On va lire. Alors, voilà. Donc je me balade, tu vois, Akuma. Je me balade donc dans cette forêt et je trouve, j'enclenche une cinématique que je n'aurais pu jamais enclencher si j'étais resté sur le sentier battu. Mais c'est un peu bizarre, hein, quand même. C'est un peu bizarre. Une superbe femme était assise près d'une rivière. Une sorcière approcha et dit à la femme qu'elle attendait un enfant. La femme se mit à pleurer de joie, mais la joie se transforma en peur. Et elle ne put s'arrêter de pleurer. La peur se transforma en tristesse et la femme continua de pleurer. Elle pleura pendant des mois, dormant à peine jusqu'à la naissance de son enfant. Mais tous ces pleurs avaient fait vieillir la femme dont la beauté avait cessé. On l'a toujours dit, les gars. Les enfants, ça te pourrit la vie, point barre, c'est tout. Quand il fut suffisamment grand, son fils escalada la montagne pour trouver la maison de la sorcière. Il lui demanda si elle pouvait rendre sa beauté à sa mère. La sorcière posa beaucoup de questions au garçon. Après avoir entendu ses réponses, elle dit au garçon qu'elle avait menti à sa mère à propos de l'enfant. Le garçon disparut. Et la mère redevient belle. Ah ah! Mais voilà. Bon. Ethan, nie ma sensu komplikować życia sobie i innym. Spróbuj się dostosować. Przestań bujać w obłokach. Zacznij żyć rzeczywistością. To właśnie rozumieją inni. Rzeczywistość. Ethan, mon cœur, je suis désolé de t'avoir crié dessus. Je veux que tu gardes ce mot et que tu le lises à chaque fois que je m'emporte. Je ne pense pas ce que je dis. Je sais, je peux être odieuse parfois. Tu es mon petit bébé, mon trésor. Il faut que tu arrêtes d'être dans les nuages, d'accord? Ça, c'est la même chose, sorcière, c'est ça? Ouais.
Je veux rentrer dedans. Je veux rentrer dedans. Mon camp de survie, ça y est. Je suis sauvé. J'ai mon camp de survie. On m'a bien foutu dans la merde là. J'ai bien perdu en forêt là, c'est la forêt de Blair Witch. Parce que ça m'a libéré un peu. Que ça m'a terminé à un lieu que j'avais pas découvert sur la carte. Ok, je suis là. J'ai bien gentil me TP dans une forêt, les gars. Fais tout pour que tu te perdes en plus ce jeu. C'est débrouille-toi. Je tape là après la cinématique. Gros. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai juste marché ici. J'ai une cinématique qui me pose des questions. Je veux dire que c'est la sorcière qui m'a posé des questions. Juste en baladant comme ça. Bon, vraiment hors chemin. C'est hallucinant ce jeu. Regardez aussi les textures. Non, je trouve ça hallucinant pour un jeu de 2014. C'est pour ça que j'ai des chutes de FPS. Il y a trop de textures. On va redescendre par là-bas. On va retourner près de notre portail. Hein. On va voir si le fait d'avoir trouvé cette cinématique, ça a barré... Regardez ce petit portail. Allez, on va rentrer, on va se taper. Si je pouvais avoir ça pour moi aller travailler, je sors de mon lit. Hop là, je suis au boulot. Et voilà, fini le trajet d'une heure pour moi aller bosser. Allez, on va voir. Ah ben oui, il l'a barré, regardez. Il l'a barré. Donc c'est juste ça, et c'est hallucinant quoi. Ça n'a rien à voir avec ce qui est marqué sur la carte. Elle me dessine ça, ben j'ai rien eu à voir. J'ai eu qu'une cinématique. Enfoiré. Ça c'est fait, ça c'est fait. Il me reste plus que ça. Il me reste plus que ça. Du coup, ben, je dois pas trop m'attarder sur le symbole. Ça n'a rien à voir avec le symbole. Voilà. On va s'avancer calmement. Je pensais que c'était genre un symbole de la gare, mais rien à voir. Ah, voilà, regardez, c'est sûrement ça, regardez. Oh, le truc de ouf. Le truc de ouf. Ouais. The hell? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais vas-y, Armstrong, arrête-toi, mec! Je suis perdu, moi, je comprends plus rien à ce jeu. Très bien! Il est où? Il est là. Qu'est-ce que c'est que ça? En gros, sérieux là? Qu'est-ce qu'un astronaute fait sur ma planète? Et j'espère qu'ils vont faire un résumé d'histoire, parce que là je suis perdu, là, je comprends plus rien.
Leo. Arrête de jouer à cache-cache avec moi, toi. What? Une abduction. J'arrive. Le vaisseau mère est venu me chercher. Ah, faut que je rentre dedans. C'est l'esprit d'Ethan, ça. C'est beau, hein? En bas, j'irai. Et quoi? Le jeu est fini? And. Et. Allô? Ah. Et les gars, le truc de fou, je comprends plus rien! Crocs! La bête avait des crocs. Mais elle était lourde et lente. Alors, quand elle vit la lumière dans les cieux, elle attendit, pensant que la lumière finirait par s'estomper, comme les autres avant elle. Lorsqu'elle vit qu'elle en serait autrement, la bête se leva sur ses pattes et s'approcha de l'endroit où le feu brûlait encore. Alors que la lumière orange s'éteignait, une autre prenait sa place. Celle-ci était bleue, un bleu pur et brillant que la créature n'avait vu aux abords des étoiles. La bête montra ses crocs et la lumière disparut. Un instant plus tard, la lumière réapparut entre deux arbres et la éloignée. La bête venait d'entrer chez elle. Elle ne pouvait ignorer la lumière. Elle la poursuivit alors plus loin dans la forêt. Bon, le chat, tu as décidé de me pourrir la fin du jeu, c'est ça? Ok. La lumière finit par s'éteindre dans une clairière. La bête entra dans le cercle. C'était moi la bête, en fait. Sans crainte. Les arbres se tournèrent vers la bête, pointant vers lui, telles des aiguilles. Mais les cimes des arbres s'abaissèrent et enfoncèrent dans le sol. Les troncs et les racines s'élevèrent pour former un mur autour de la bête. Alors que le sol disparaissait, la bête s'aperçut qu'elle ne pourrait jamais plus se servir de ses crocs. Wyłaź z mojego pokoju! Opowiadania i opowiadania, nic tylko opowiadania. Wynocha! Czytałem kły, podobała mi się bestia. Przynajmniej wyrwała się z tego zadupia. What? Conte abstru, le meilleur de la science-fiction américaine. Avec les jaunes collines de Mars de Douglas Spaulding. En supplément, Julian West, Mike Harden, Clarence Cartlist et bien d'autres. La mutation de Travis, Guy Lord. Ok. Regarde, moi je comprends plus rien du tout. Il m'a fait sortir, hein. On m'a fait sortir, on va aller retourner dans le... Ah, le chat croit que je suis un arbre à chat, les gars. Le chat croit que je suis un arbre à chat, faut que je coupe ses griffes. On va retourner là-dedans.
Est-ce que je vais avoir le fin fond de cette histoire hein? Parce que je suis perdu là. Voilà, l'histoire, elle est là, on va enclencher l'histoire, les gars. J'espère que ça va aller. Hein. Ça, c'est moi, le détective privé. Boże, Ethan, ty znowu tutaj. Nie było cię na kolacji. Starzy są nieźle wkurzeni. Wszędzie cię szukali. Idź sobie, Travis. Daj mi spokój. Ej, mamo! Tu jest! Kochanie, uważaj z tą lampą. Dale, co jest z twoim dzieciakiem? Bas grze po ścianach, pisze te swoje bzdury. Co to kurwa ma być? Witam na litość boską, gdzieś ty się podziewał? Przepraszam, pisałem dzisiaj nowe opowiadanie. Jak długo mnie nie było? Przygody Paula Prospero, detektywa mistycznego. Skąd ty to bierzesz? Tato, proszę, czy możesz zabrać stąd Travisa? Bas grze po ścianach. Co to w ogóle za błazenada? Chad, zamknij się. Wychowałeś sobie małego pedała, Dale. Chodź, Travis, idziemy. Pedał. Ethan, jesteś pedałem. Travis, przestań. O Jezu. O, w mordę. Szybko, na zewnątrz. Ethan, nie chowaj się, tam zatrujesz się. O Jezu. No co teraz? O Boże. No co teraz? Pisałem o tobie, ale nie wiem, czy to ja cię stworzyłem? Jestem tu, a reszta nie ma znaczenia. Nie mogę jeszcze iść. Muszę skończyć opowiadanie o tobie. Napisałem opowiadania o wszystkich. Wiem, ale moja historia dobiegła końca. I to była świetna historia. Mogę odpuścić? Możesz odpuścić. Co stanie się potem? Kolejna opowieść, mały. Cóż innego? Thank you.
Donc voilà la fin de l'histoire. En fait, j'incarnais les pensées de l'enfant qui, pour échapper à son destin tragique, donc d'être brûlé ou d'être asphyxié par les fumées nocives, s'est échappé dans son imagination et a créé ce personnage, donc moi, le détective, avec toute une histoire surnaturelle. Donc c'était pas mal en fait cette fin, c'est assez chouette. Donc le jeu ne dure pas longtemps, il est en vente sur Resto Gaming pour 1€ et quelques, pour ceux qui veulent vivre cette aventure. Donc j'espère que cette petite série vous a bien plu en tout cas. Moi, ça m'a bien plu, il y a vraiment une bonne ambiance dans ce jeu, une belle petite musique, et des belles petites histoires. Surtout la fin, c'est assez drôle cette fin, enfin assez inattendue cette fin plutôt. On ne s'attend pas à avoir une fin tragique pour le garçon. On pense au départ qu'il est possédé et que tous ses parents veulent le tuer car il est possédé. Mais non, c'était pas ça. C'était juste son imagination. Bon les amis, on se retrouve pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à follow la chaîne pour ne pas rater d'autres lives de la matinale ou de l'après-midi. Allez, ciao ciao tout le monde et à bientôt sur le monde de Black Oak. Bon à moi. Mais non, Akuma, j'ai pas spoilé tout le jeu, allez, arrête un peu, va.